Hello famille, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez superbement bien. C'est votre humble et unique serviteur, Eritor. J'espère que vous allez bien. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite, hein, comme mal chaque jour dans mes petites prières quand je pense à vous. Aujourd'hui, on parle d'Ibawan. Oui, on parle d'Ibawan. Et puis, vers la fin de la vidéo, je vous invite aussi à regarder mon petit passage à l'Oris Event. Voilà. Aujourd'hui, vous aurez toutes les images. Vous aurez toutes les images. Donc, tenez-vous prêts, restez connectés, parce qu'après le générique, ça va démarrer. Vous avez bien remarqué, j'ai titré Ibawan, stade du 26 mars, X, 1er 2020. Voilà, le rendez-vous tant attendu est enfin arrivé. Et c'est de ça qu'on parle dans cette vidéo. On se prend juste après le générique. On se prend juste après le générique, les amis. Bonjour tout le monde, comment vous allez? J'espère que vous allez bien, c'est votre humble serviteur. En tout cas, si t'es nouveau sur la chaîne, n'hésite vraiment pas à t'abonner. Et puis, si t'es content, lâche-moi un pouce bleu, partage la vidéo. Bon retour les gars, bon retour. Ibawan au stade du 26 mars. Oui, Ibawan au stade du 26 mars. C'est de ça qu'il s'agit. Oui. Bien avant qu'on parle des prémudes et de ce gros rendez-vous avec l'artiste Ibawan, souffre que je vous rappelle l'espace Loris Event. L'espace Loris Event est un espace à ne pas négliger. Dieu merci, il y a déjà de très bons retours parce que tous ceux qui franchissent le pas dans les locaux de Loris Event ne peuvent pas sortir bredouille. Voilà, ils sortent toujours conquis. Donc n'hésitez pas pour vos mariages, vos baptêmes, tout type de cérémonie, colloque, séminaire de formation, chill party, n'hésitez pas. Voilà, cascade, fontaine, le coin est vraiment, vraiment paradisiaque. Un coin féerique et très convivial, n'hésitez pas. Faites-y un tour, vous n'allez jamais le regretter. Maintenant, parlons de Ibawan. Voilà, Ibawan est sur deux fronts, les amis. Ibawan est sur deux fronts. Parlons d'abord des prémudes. Voilà, les prémudes 2020. Ibawan est nominé dans la catégorie Meilleur artiste Afrique de l'Ouest. Bon, on dira que Eritor, toujours Ibawan, toujours Ibawan. Et oui, toujours Ibawan. Vous me connaissez. La petite bouse qui dérange, qui est un peu sale aussi, hein, quand il le faut. Parce que quand j'ai envie de parler mal, si je te parle mal, tu risques de te laver et tu vas toujours avoir mal. Juste pour déconner. Je suis libre de soutenir Ibawan parce que Ibawan est un artiste qui mérite soutien. Un artiste plein d'humilité. Un artiste qui n'est pas reconnu à sa juste valeur. C'est un monstre au Mali. C'est une légende vivante au Mali et même au-delà des frontières maliennes. Il confirme en Europe, il confirme au Burkina, il confirme en Guinée. Dans tous les pays où il passe, il confirme. Dernièrement, au festival de Kedjevara, il a surpris toute la population de trucs de Boaké. Parce qu'on dit, c'est quel artiste que nous, on ne connaît pas bien en Côte d'Ivoire ici, qui a aussi beaucoup de fans. Voilà, c'est ça la magie Ibawan. Et Ibawan est nominé dans la catégorie Meilleure actrice Afrique de l'Ouest. Je vous explique, c'est simple. Tu te dis Gladia, tu te dis que tu es vraiment fan de l'artiste Ibawan, tu es vraiment prêt pour lui. Tu as deux choses à faire concernant les prémudes. D'abord, le lien est sous cette vidéo-là. Donc, je vais vous prier de partager massivement cette vidéo dans tous les groupes afin qu'ils puissent, s'ils ne savent pas comment faire, quand ils vont regarder la vidéo, ils n'ont qu'à juste déplier la flèche juste en bas de cette vidéo-là. Ils vont voir dans la description, il y a le lien où vous pourrez cliquer pour aller directement voter sur le site des prémudes. Maintenant, si là-bas c'est compliqué pour vous, vous n'avez simplement qu'à envoyer aux 98 000. Le mot AAO6. Voilà, vous écrivez AAO6 au 98 000. Voilà. Donc les gadias, je répète encore, pour voter pour l'empereur Kankou Moussa Ibawan pour les prémudes 2020 dans la catégorie meilleur artiste Afrique de l'Ouest, c'est simple. En tout cas, par SMS, là, c'est simple. Vous prenez votre téléphone, vous faites comme vous voulez envoyer un message. Le numéro auquel vous devez envoyer votre message, là, c'est le 98 000. Donc, vous mettez d'abord dans l'espace numéro 98 000. Maintenant, dans l'espace message, là, vous écrivez A, A, O, et puis 6. Collez et vous envoyez. Faites ça plusieurs fois. Autant de fois que vous pouvez. Rechargez votre téléphone et votez haut, votez. Voilà. Votez haut, votez. Ne vous gênez pas. Il faut démontrer à la face du monde que cette fois-ci, là, Ibawan mérite. Mérite amplement ce titre de meilleur artiste Afrique de l'Ouest au Primé 2020. Parce qu'il a bossé, il a été très très productif. Voilà, il est allé faire une tournée européenne par deux fois. C'était des cartons pleins. Il est venu au festival de Boaké de Kedjevara, carton plein.
Il a fait combien de concerts au Mali, à Kaï, dans des stades pleins. Et encore, il y a un gros rendez-vous. Et c'est ce rendez-vous-là que je vais prendre comme une transition. Voilà. Ce 24 octobre, cher Gladia, on doit réécrire l'histoire. Inch'Allah. Inch'Allah. Peut-être que vous verrez Eritor ce jour-là, aux côtés de l'artiste Ibawan. Donc, ne vous faites pas raconter ce show. Vous voyez un peu? Ne vous faites pas raconter ce show. Les tickets sont pas chers. Voilà. Parce que je sais que ces gladiateurs-là, même si on dit tickets, 10 000, 15 000, 20 000, ils vont remplir ce stade-là. Mais comme je vous dis toujours, Ibawan est un artiste très social. Voilà. Il pense à tout le monde. Que tu aies l'argent ou pas, il fait ses prix de telle sorte que tout le monde y participe. Et il faut dire quand même que c'est l'un des rares artistes qui réunit plus de 60 000 personnes dans un stade. Je pense que c'est plus que ça. Jusque-là, Ibawan n'a jamais tapé poteau au stade du 26 mars. C'est le seul et unique qui le remplit correctement. Donc, c'est encore un défi à relever. Je sais que vous êtes motivé, je sais que vous allez répondre présent, mais il faut être prêt. Si tu as 5 000, paye 5 tickets pour des gladiateurs qui ont envie d'aller, mais qui n'ont pas les moyens. Si tu as 100 000, paye 100. Oui, 100 tickets, c'est ça. Si tu peux payer les tickets de 3 000, tu payes. Si tu peux payer les tickets de 10 000, tu payes. Non. Tout comme fait, les tickets sont 3 000, 1 000 francs et 5 000. En tout cas, si tu as les moyens, paye. Parce qu'on doit casser ce stade-là. Voilà. Ce stade-là doit commencer à parler. Ce stade doit dire, Ibawan, cherche un autre endroit pour venir faire ton concert parce que j'en ai marre de toi. Tu remplis trop, trop, trop ce stade. Il faut arrêter maintenant. Voilà. Vous savez, chaque fois quand Ibawan annonce son concert du stade du 26 mars, il y a beaucoup dans l'homme qui prie pour qu'il tape plutôt. Mais comme il a la bénédiction de sa mère et Dieu a agréé ça, il remplit ça jusqu'au-delà des frontières du stade. Et il faut réécrire encore l'histoire. Moi, je compte sur les gladiateurs parce que ça ne chauffe pas. En tout cas, ce que j'ai compris avec ces gladiateurs-là, ce n'est pas des beaux parleurs. C'est vrai qu'ils sont très forts dans les commentaires quand il s'agit de défendre l'artiste ou bien de le soutenir, mais ils sont très forts dans la réalité aussi. Une autre info sur laquelle je vais revenir tranquillement après, c'est la sortie de l'album du même boss, Ibawan, ce 18 octobre. Donc, normalement, le 24 au stade du 26 mars, tous les gladiateurs qui seront présents doivent chanter à l'unisson tous les titres de l'album de l'empereur Kakou Moussa. C'est ce que ça veut dire. L'album sort le 18. Normalement, tous ceux qui ont prévu à aller fêter cet album-là au stade du 26 mars avec l'artiste Ibawan doivent avoir le CD. Ça, c'est un. Et quand Ibawan a commencé à égrener les différents titres de l'album sur le podium au stade du 26 mars, que toute la foule chante du son avec lui. Ça sera beau à voir et ça sera majestueux. Je compte vraiment sur vous, les gladiats. Voilà. Vous savez que les gladiats, on n'aime pas la honte. Et la honte ne peut jamais venir de notre côté. Cassez ce stade du 26 mars et priez que je sois là. Voilà. Parce que la fête sera très, 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 très belle. Voilà. Je récapitule. Sortie de l'album le 18 octobre. L'album Mon Empire de l'artiste Ibawan. Rendez-vous ce 24 octobre au stade du 26 mars pour un gros concert inédit. On doit réécrire l'histoire. Prémis 2020, catégorie meilleur artiste Afrique de l'Ouest. L'artiste Ibawan a besoin de vous. Le lien pour voter sur le site internet est dans la description. Et ceux qui veulent voter par SMS, vous envoyez par SMS AAO6 au 98 000. Max, max de partage. Et que Dieu bénisse Ibawan, que Dieu bénisse tous les gladiateurs. C'était Eriton, votre humble serviteur. Quand j'y brode. Salut, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est votre humble serviteur Eritor. Je suis dans un cadre très enchanteur. Voilà, vous avez reconnu le visage, c'est le monteur Salah Hamilton, mon homme de main de tous les jours, mon meilleur ami, c'est mon tout. Bref, c'est pas de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, on vous parle de Loris Event. Je sais que j'ai des tontons et des tantes, beaucoup, beaucoup de tontons et tantes qui me suivent sur ma chaîne Eritor Research TV. Ici, c'est Loris Event. Tout à l'heure, vous allez voir quelques images de l'endroit. C'est un cadre féerique. Ici, vous pouvez venir faire vos mariages, vos baptêmes, vos anniversaires, vos colloques, vos réunions d'affaires, de travail, sans bruit. Je peux vous rassurer que vous économisez mieux qu'ailleurs. Je dis bien vous économisez
mieux qu'ailleurs. C'est pas de la Talapour, vous allez voir tout à l'heure. C'est un cadre qui est vraiment, vraiment très chic, pas loin du chute d'engrais. Voilà, on va dire, il y a peut-être 50 mètres du chute d'engrais. Voilà, c'est vraiment, vraiment, vraiment très beau. C'est un cadre qui est vraiment, vraiment joli. Et je vous invite pour le mois de décembre à ne pas hésiter, vous n'allez même pas regretter. Voilà, le coin est joli. Et puis tu payes pas trop cher. Voilà, on vous attend nombreusement. C'était votre même serviteur.